afternoon, evening, everyone, and welcome Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette session. C'est une session qui va parler des adaptations grâce à des solutions basées sur la nature. Je suis Kate, donc Strachan, en charge avec le secrétariat de vous parler aujourd'hui. Alors, l'initiative est une action de l'Union européenne pour le Green Deal, pour faire face aux nouveaux défis que sont le changement climatique. À la fois, nous allons essayer de renforcer les partenariats avec l'Afrique et l'Union européenne, avec 63 des conventions. Donc, nous travaillons avec les villes, la Convention des maires. C'est un partenariat entre les réseaux des villes, les agences et les agences de fonds, de financement, pour avoir l'accès à des énergies durables, être résilient en termes de climat. J'aimerais remercier l'Union européenne, l'Allemagne, l'Agence pour le développement, pour créer cette initiative qui va changer les choses. Et merci pour le soutien dans l'organisation de la session aujourd'hui à Climate Chance. Avant de démarrer, j'aimerais passer en revue quelques points. Alors, vous pouvez participer, donc nous sommes ravis que tout le monde puisse s'impliquer. C'est une réunion Zoom aujourd'hui, donc tous les participants pourront allumer leur micro et nous parler. Alors, pendant les présentations, veuillez garder votre micro éteint, mais vous aurez notamment la possibilité de poser des questions sur le chat également. N'hésitez pas à les ajouter là. Vous pouvez également envoyer vos questions à tout moment. Nous les regarderons et répondrons pendant la session de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, vous pouvez indiquer en levant la main que vous souhaitez poser une question aussi. Je vous encourage à utiliser la fonctionnalité du chat pour poser vos questions. Nous souhaitons vous informer que ce webinaire est enregistré et que cet enregistrement sera plus tard partagé. Les détails seront dans le chat également. La session d'aujourd'hui est disponible en anglais, en français et en portugais. Veuillez choisir la langue de votre choix, de votre préférence. Si vous souhaitez écouter l'anglais, choisissez le canal anglais. Sinon, vous entendrez la langue dans laquelle s'exprime l'orateur. Alors, à notre heure du jour, aujourd'hui, nous avons des présentations PowerPoint. Nous répondrons aux questions en fin de présentation, comme dit plus tôt. Veuillez continuer à... N'hésitez pas à... Posez vos questions dans la petite section Q&A, questions et réponses, sur les solutions fondées sur la nature. Nous essayons de regarder les leçons tirées, l'expérience technique, les recommandations possibles pour des solutions basées sur la nature et ouvertes à la discussion. En faisant ainsi, nous essayons de voir le point de vue de l'Afrique pour le mettre sur le devant de la scène global et général mondial. J'aimerais vous présenter tout d'abord Monsieur Stefanio, qui est le coordinateur pour les villes nature et les initiatives nature. Notre deuxième orateur, c'est Véronica, qui est directrice des programmes basés sur la nature et travaille à l'UICN. Notre troisième orateur est Liliane Asogra. Liliane est directrice de programme pour les programmes marins de l'UICN, l'Afrique de l'Ouest. Et notre quatrième orateur, M. Moussini Mungani, est le directeur de la planification de la durabilité de la gestion de l'environnement dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Et ensuite, nous aurons Fernand Yapim. Fernand est donc ingénieur en éthique et développement durable
et il travaille à Kokodin, dans le bureau du maire. J'aimerais accueillir tous les orateurs et je suis ravie d'écouter les présentations de cette journée. Sans attendre davantage, j'aimerais maintenant donner la parole à Stefania et je crois que j'ai deux questions à vous poser. La première, quel a été l'impact avec les villes sur la nature et quelles sont les prochaines étapes pour les villes pour intégrer la nature dans leurs projets? Et la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est une question tout à fait pertinente. Et l'inclusivité, la nature, pour cela, c'est quelque chose sur lequel, des sujets sur lesquels nous avons vu beaucoup de nouveaux développements, mais enfin, des pas des moindres. La semaine dernière, nous avions travaillé avec l'UICN, nous avons eu un congrès, et je peux vous assurer qu'il y a des résultats sur... En fait, beaucoup de villes ont été présentes. Et nous avons parlé avec les agences des villes, avec les agences régionales, avec les territoires, les municipalités et tous les autres partenaires. Et beaucoup de villes étaient présentes, Marseille par exemple, mais également d'autres villes aussi. Et ce que nous avons vu, c'est que les villes où la nature était présente, eh bien, il y a des résultats qui peuvent être remarqués et les solutions basées sur la nature, en fait, que tout cela peut être intégré, ces ressources peuvent être intégrées dans les plans et ensuite mises en œuvre. Donc, c'est vraiment le lieu où les gouvernements nationaux peuvent partager les informations et lorsque vous parlez aux villes, vous parlez aux personnes concernées, vous parlez aux communautés, eh bien, vous pouvez voir hein, effectivement les résultats et les plans. Donc, c'est vraiment le début du voyage, bien entendu. Et à l'intérieur des villes qui ont des parts de nature, eh bien, il faut bien sûr plus de ressources. C'est un processus pour lequel chaque ville doit intégrer les processus et les projets selon leurs capacités. Kate, are you still there? Oh, wait, there. Stefania was going to share her screen for a second. Je croyais que Stefania allait partager son écran en fait pendant un instant, mais notre prochaine oratrice est Veronica. Et Veronica, aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer brièvement l'approche de l'UICN sur ces solutions basées sur la nature et quels sont les éléments clés du succès pour dérouler ces solutions basées sur la nature? Alors oui, tout à fait. Merci beaucoup, Kate, pour cette présentation. Moi, j'ai une présentation à vous montrer. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, allez-y. Féliciter le gouvernement pour sa gestion de cette crise. L'Assemblée nationale crie fortement pour que des réponses. Merci beaucoup Stefania d'avoir souligné le congrès. Nous en revenons tout juste et il y a eu énormément de discussions qui ont eu lieu là-bas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous montrer le travail que fait l'UICN. Certains d'entre vous connaissent déjà ces solutions basées sur la nature. Alors, pour les solutions nature, alors c'est un terme qui semble très à la mode, tout le monde l'utilise, mais nous l'utilisons depuis très longtemps et l'UICN travaille déjà depuis des décennies sur ces sujets. Nous avons déjà 25 ans d'expérience avec ces solutions. Alors, pour cela, nous avons une compréhension claire de ce qui est ou n'est pas une solution basée sur la nature. C'est un concept
qui sont de gros défis pour mettre en œuvre ces concepts, pour répondre à ces défis, comme l'atténuation du changement climatique, faire face aux désastres climatiques et les réduire, le développement économique et social, la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau et la dégradation des écosystèmes. Tout ce que vous pouvez voir à l'écran, et bien certains de ces éléments ont encore besoin de voir des forces jointes pour continuer à travailler. Et voilà, les solutions basées sur la nature sont des solutions qui requièrent un écosystème sain qui peut produire des services pour des gens sans dommage à la nature, sans endommager la nature. Donc nous fournissons une certaine biodiversité. Ce qui est important, c'est la précision des progrès et il faut que tout cela marche main dans la main pour trouver des solutions plus durables pour notre futur. Vous voyez? Donc, ce concept des solutions basées sur la nature et d'une certaine manière, il faut éviter les méconceptions. Il faut s'approprier ces solutions. Il est très important d'effectuer des clarifications. Elles sont nécessaires. Cependant, une définition claire peut aider. Donc, nous pouvons ainsi répondre à des questions comme, par exemple, est-ce que nous avons couvert suffisamment les réponses nécessaires pour ces solutions? Et la majorité des solutions basées sur la nature et leur mise en œuvre ne viendra pas du secteur de la conservation. Par exemple, moi, je travaille à l'UICN ou dans le secteur des ressources naturelles. Mais ça, c'est ce qui a mené au développement des standards mondiaux pour ces solutions basées sur la nature. Alors, ces standards ont été développés après 2 consultations publiques auxquelles 800 personnes venant de plus de 100 pays se sont engagées et nous avons travaillé là-dessus parce que l'UICN voulait servir de guide clair pour la mise en œuvre et également éviter des systèmes trop rigides. Il fallait un système plus facile pour pouvoir créer des solutions basées sur la nature, apporter le soutien nécessaire pour la prise de décision, les investissements, le financement et informer pour l'escalade et pour l'accélération sur ces projets. Ce que j'aimerais brièvement passer en revue, voilà, ce sont les indicateurs, 8 indicateurs clés ou critères, pardon. Alors, les critères, critère numéro 1, la base de nos solutions. Nous avons vraiment besoin de définir quelle est notre problématique et c'est un défi sociétal auquel nous voulons répondre. Ensuite, il faut créer un outil et avoir un temps clairement défini pour le faire. Ensuite, il faut des résultats. Et alors, quand on regarde 3, 4, 5, c'est pour le développement durable, la durabilité. Cependant, il n'est pas réaliste de penser que nous allons réussir. Donc, comme ça, donc il fallait le critère 6 à ajouter. Et ensuite, lorsque regardons le critère numéro 7, pour la gestion adaptative basée sur les preuves et adapter ces solutions basées sur la nature d'après le système existant. Nous travaillons avec les écosystèmes. Ce sont des systèmes extrêmement complexes. Et il faut s'adapter aux conditions qui évoluent en permanence. Et ensuite, nous avons le critère numéro 8, le potentiel de nos solutions basées sur la nature. C'est là où nous réalisons sur le long terme, sur la mise en terme, au long terme. Là, nous intégrons cela dans les politiques, le contexte juridique également approprié pour que cela ait lieu. Voilà où nous en sommes. Pour notre cadre robuste pour pouvoir utiliser et généraliser ces solutions basées sur la nature. Donc, merci infiniment pour votre attention.
Thanks, Veronica. And it's really great to hear. Merci beaucoup, Veronica. C'est vraiment intéressant de voir ce que vous faites et des critères que vous avez établis. C'est vraiment intéressant. On va passer maintenant à on va revenir à Stéphania qui va nous partager quelles sont les prochaines étapes à suivre pour que les futures villes intègrent la nature dans leur planification et leur développement. Stéphania, vous avez la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Veronica. Merci, Kate. Nous avons une semaine très intense au cours des derniers jours à Marseille. Je ne sais pas si vous étiez là. C'était très, très occupé. On était très proches dans nos collaborations. On a travaillé dans la joie aussi avec nos collègues. Merci pour la question, effectivement. Je vais donner une présentation, mais pour répondre d'abord à la question, oui, je peux dire qu'un des bénéfices de travailler avec ces solutions basées sur la nature, pour revenir à la question des ingrédients qui sont nécessaires pour les solutions en Afrique, notamment dans les villes d'Afrique, il faut des études de cas très claires avec des exemples de villes qui ont déjà réussi dans ce sens, avec des solutions basées sur la nature, pour des bénéfices multiples. Il faut avoir des rapports techniques pour voir comment mettre en place ces solutions. Il faut bien sûr avoir des financements. Toutes ces choses sont importantes. Les solutions basées sur la nature ont besoin de finances. Il faut que les citoyens puissent accéder à cela par les ressources, par les données. Avec l'IUCN et d'autres institutions, comme nous l'avons entendu même de la part de Veronica. Je voudrais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, yes, you can. Citizen Nature. As I was saying at the very beginning, it's just donc, ville avec la nature, comme je l'ai dit au début, c'est un parcours où tous les acteurs, les communautés, les administrateurs peuvent réellement se connecter, partager ensemble, découvrir des choses et ensuite obtenir le soutien nécessaire pour agir. C'est une plateforme globale où des actions concertées peuvent avoir lieu. Comme nous l'avons dit au début, c'est un partenariat, c'est une initiative de partenariat avec l'IUCN, entre autres. Il y a d'autres, les villes pour la forêt, d'autres initiatives semblables également, d'autres réseaux, les parcs, la nature pour tous. Et nous avons eu cet événement à Marseille, par exemple, la semaine dernière, avec différents groupes, comme vous voyez sur la gauche. Nous avons aussi une lettre de nouvelles mensuelle et nous avons une plateforme qui grandit. Vous voyez ici en haut à droite les chiffres, 183, nous sommes à 190, c'est le nombre donc de participants, de villes participants bien sûr. Nous connaissons la valeur de la nature, nous savons combien c'est important, le bénéfice de la nature dans les villes. C'est pourquoi les villes sont très intéressées. Qu'est-ce que les villes avec la nature nous offrent? Je peux vous montrer ici comment les villes peuvent développer ce projet, ainsi que tous les autres acteurs, les administrateurs. Voici un exemple de ce profil. Ici, vous avez un exemple de la ville de Barcelone, en Espagne, qui est une ville pionnière, comme je l'ai dit avant. Nous avons des ressources, des outils que nous pouvons présenter dans des solutions basées sur la nature, la biodiversité, l'écosystème, la restauration, etc. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées, elles peuvent être partagées. Tout le monde peut vraiment aller voir sur le site toutes ces ressources et tous ces documents. Voilà à quoi ça ressemble, voici à quoi ressemblent la plateforme pour les outils et les ressources accessibles, la biodiversité, l'écosystème et l'environnement. Quelques exemples.
et pour les villes résilientes et les villes durables, les solutions, la puissance des solutions basées sur la nature. Nous voulons développer donc la puissance de ces solutions et montrer leur importance, montrer les bonnes pratiques également dans la mise en place des solutions et des principes directeurs pour la mise en place de ces solutions. Un autre exemple, c'est un rapport que je peux, qui rapporte les projets de solutions basées sur la nature. C'est un outil intéressant pour le sujet que vous discutez aujourd'hui et qui apporte d'autres outils disponibles pour accélérer ce type de projet. Quand vous accédez à cette plateforme, vous pouvez également trouver donc ce passage ou ce parcours nature qui est un guide pour les gouvernements locaux au niveau de la nature, qui est une méthode compréhensive basée sur des décennies d'expérience de l'ICLEI. C'est une roue, si vous voulez, en forme de roue. Stefania? Yes. Sorry for interrupting you. Would you mind just moving slightly closer to your mic? One or two people are just struggling to hear you as well as the interpreters. You can't hear me. Yeah, that's better. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Thank you. C'est mieux, merci. Il y avait un problème de son, on n'entendait pas très bien. Un autre outil pour développer ces solutions, c'est un plan d'action, la plateforme d'action. Ça, c'est pour les autorités locales, les gouvernements locaux, pour qu'ils puissent identifier leurs propres cibles dans le cadre de la biodiversité mondiale post-2020. Un autre outil, ce sont des indicateurs également pour les villes, des manières de mesurer. Comme je l'ai dit avant, notre réseau continue de se développer. Nous avons près de 190 villes qui nous ont rejoints dans 58 pays différents. Les dernières villes, c'est les Pays-Bas, l'Inde également, la ville de Thane en Inde en septembre 2021. Ce sont des villes qui ont rejoint donc les villes avec la nature dans les pays. Nous avons 60 pays, plus de 60 pays, villes pardon, africaines qui nous ont déjà rejoints, les villes avec la nature, comme vous voyez ici, Arusha, Bulawayo, Cape Town, etc. De Barcelone à São Paulo, et les villes africaines peuvent réellement se connecter aussi à ce réseau et échanger avec ces autres villes qui sont déjà dans ce programme. Et donc, deux projets également au Ghana. Nous travaillons avec ces villes pour avoir l'opportunité de partager davantage, de se connecter davantage avec les collèges aussi d'ICLEI. Aussi deux exemples récents de partenaires qui nous ont rejoints, qui ont rejoint les villes avec la nature. Donc, le réseau de la jeunesse et de la biodiversité et 880 villes, c'est-à-dire que ce que nous faisons doit être aussi bien pour quelqu'un de 80 ans que pour quelqu'un de 8 ans. Nous n'arrêtons pas nos efforts ici, bien sûr. Nous travaillons sans relâche pour développer nos solutions dans la nature. C'est vraiment pour les gouvernements régionaux. Nous voulons avoir une plateforme dédiée aux régions. Cette plateforme aura lieu en octobre. Ça, c'est notre équipe. C'est moi-même avec d'autres collègues. Je suis ravie de faire partie de votre réseau. Merci encore.
de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous aujourd'hui. Thanks, Stefania, for sharing such an exciting... Merci d'avoir partagé avec nous ces initiatives vraiment fantastiques. Et j'espère que ça va aider d'autres villes africaines à nous rejoindre et à apprendre des autres villes qui ont déjà fait cette expérience. Très contente également de voir les solutions innovantes basées sur la nature sur le continent africain. J'aimerais à présent revenir à Véronica et je vais poser une deuxième question à Véronica et elle va à nouveau partager son écran avec nous. Véronica, dans votre expérience, quelles sont les clés du succès pour le déploiement de la norme mondiale pour les solutions basées sur la nature? Oui, je ne vais pas partager mon écran. D'abord, je pense que nous avons eu un réel succès parce que c'est une approche collaborative. C'est là où nous essayons vraiment de trouver des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire de lire les signaux, de nous réunir. Nous savons que le temps, c'est maintenant pour le faire. C'est le temps de l'action. Nous ne pouvons pas continuer d'attendre. C'est la première chose. La première leçon vraiment à tirer. La deuxième leçon, nous faisons des projets pilotes. Ilia, qui est avec nous aujourd'hui, elle était une des pionnières, c'est de faire des projets pilotes dans différents exemples très divers, ce qui nous aide réellement à identifier ce qui est une solution basée sur la nature ou pas. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes. Donc, c'est aussi une leçon très positive que nous avons apprise. Nous avons également un projet très large aussi, comme le projet de Waka, jusqu'au Gabon, de la Mauritanie jusqu'au Gabon. De terre sèche à des mangroves. Nous avons un projet d'envergure assez large qui nous permet d'avoir différents contextes, différents environnements. Et ce que nous faisons maintenant et qui permet la réussite de ces projets, c'est que nous mettons en place une école, une académie. Et la première chose, c'est d'avoir des certifications. C'est important. Ce que nous essayons de faire, ce n'est pas pour garder ces normes pour nous-mêmes, mais nous voulons des personnes qui vont pratiquer ces choses et qui vont commencer de les utiliser. Ce qui est positif également, ce sont les locaux, les facilités et aussi également les moyens que nous avons qui nous permettent de développer les pratiques, de trouver aussi des financements pour les solutions basées sur la nature. Nous avons déjà des donateurs qui sont avec nous. Une autre leçon que nous avons apprise, c'est dans le lancement de ces certifications, de ces certificats. Nous l'avons fait à Marseille la semaine dernière. Nous avons lancé donc le certificat basé sur les solutions sur la nature. Nous ne créons pas tout un processus, mais ce que nous faisons plutôt, c'est de marcher avec des consultants, avec des compagnies qui sont bien connues et de trouver, de mettre des normes de solutions basées sur la nature dans les certifications. Nous travaillons avec Fairtrade, le commerce équitable, par exemple. Ce sont là les succès principaux. Et j'espère que nous allons continuer de garder ces tendances positives à l'avenir. Merci beaucoup, Véronica. C'est vraiment formidable d'entendre que ce projet a continué. Je suis sûre que nous allons suivre la participation pour voir comment ça se passe pour aller vers des projets de plus grande envergure. Notre prochain intervenant, notre prochaine intervenante va nous parler d'autres expériences sur le terrain. Je vais donc maintenant passer la parole à Liliane Assogba-Sessou. Liliane, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît? Merci, Kate. La première question aujourd'hui pour vous, c'est pouvez-vous expliquer les principaux défis que vous avez rencontrés jusqu'à présent dans votre programme?
Je vais présenter quelques slides et ce sera en anglais, mais mon intervention sera en français. Voilà. Est-ce que vous avez mon écran? Oui. Yes, we can. Véronica parlait tout à l'heure du programme WACA. Je vais vous présenter là un petit cas d'implémentation de solutions fondées sur la nature dans le cadre de ce programme-là de résilience côtière en Afrique de l'Ouest. Et ce programme que nous appelons WACA a été lancé en novembre 2018. Et vise donc vraiment une résilience des communautés des ressources côtières en Afrique de l'Ouest avec différentes composantes, notamment des investissements pour la résilience côtière dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et parmi ces investissements-là, on en a qui sont vraiment focalisés sur les solutions fondées sur la nature et qui sont financés par le Fonds français pour l'environnement mondial, le FFM. Et ce petit projet-là, nous l'appelons WACA-FFM. Il se met en œuvre dans 3 pays de la région, le Bénin, le Sénégal et le Togo, et sous la maîtrise d'ouvrage du Centre de suivi écologique de Dakar, avec bien entendu l'appui technique de l'IUCN. Et ce projet-là s'implémente sur divers sites. Le site que je vous présente là est celui de l'AMP de Saint-Louis, c'est au Sénégal, où on a mis en œuvre différents types de solutions. En réalité, l'AMP est située sur cette petite langue de terre que vous avez là, dans la photo à gauche. Et l'AMP est située dans une zone qui a été fortement dégradée sur le temps et qui a commencé à se restaurer petit à petit grâce à la dérive littorale. Et pour permettre à ce que cette zone qui se reconstitue soit vraiment restaurée et stabilisée, le programme investit dans une restauration dunaire. Et pour permettre cette restauration, il y a différentes interventions qui sont effectuées sur cette zone-là, notamment la mise en place de palissades. Ce sont des palissades qui permettent de piéger les sédiments pour reconstituer la dune. Donc, ces palissades-là sont fabriquées à base de matériaux locaux et pas des locaux également. Un suivi est fait progressivement de la reconstitution de cette dune-là. Dans un autre temps, il y a également une végétalisation qui est effectuée. Donc, on met en place un reboisement de filao, de casuarina et kizetifolia, qui est mis en terre entre 2019 et 2020 pour vraiment fixer les sédiments et permettre que la restauration soit durable. En dehors de cela, il y a une zone qui a été réservée où les communautés locales font du maraîchage. On a gardé cette activité-là des communautés locales et grâce à ce qui est fait comme restauration du nez, justement, ces communautés-là récoltent des bénéfices directement de ces interventions qui sont menées. Bien entendu, tout cela est suivi dans le temps pour voir les impacts qu'on a de ces SFN-là sur le temps. Et vous pourrez déjà voir à votre gauche en haut, la dune qui se reconstitue avec les casiers de ce que nous appelons les tifavelles, ces palissades-là, qui se remplissent progressivement. Donc, on a clairement une réussite sur le temps,
les filaos qui grandissent bien aussi, et puis les communautés locales qui sont éduquées à l'utilisation de pesticides organiques pour éviter la pollution du milieu. Il y a vraiment un regain de conscience du bien qu'apportent vraiment ces pesticides organiques-là. Et le suivi qui a été effectué nous a permis de voir également qu'il y a une augmentation de la biodiversité dans la zone, avec différents types d'oiseaux qui viennent se reproduire et qui sont de plus en plus nombreux, de même qu'une connectivité des écosystèmes qui est en train de se faire. On n'a plus des gaps et ça, c'est une formidable réussite qu'on est en train d'engranger. On se rend compte également que ces zones-là, je l'avais montré tout à l'heure, de maraîchage, ne sont plus inondées comme elles l'étaient autrefois. Avant qu'on fasse la restauration du nez, ces zones-là étaient périodiquement inondées et les communautés perdaient leurs récoltes. Et là, maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus de submersion marine dans ces zones et c'est pour le bonheur des populations. C'est donc toutes ces interventions-là qu'on a essayé d'analyser grâce aux standards de l'UICN et on en est venu au résultat que réellement, ce qui est fait sur ce site-là répond assez bien aux recommandations de l'UICN par rapport aux standards et bien qu'il y ait quelques éléments à corriger sur lesquels des recommandations claires transformées en étapes à suivre sont déjà définies pour vraiment améliorer et c'est ça le plus que nous apporte le standard. Pour vraiment arriver à améliorer ce qui est déjà en train d'être fait et pour bien caler aussi ce qu'on va mettre en place en termes de mise à l'échelle, par exemple. Donc, voilà quelques liens pour avoir plus d'informations sur le projet. Et donc, les défis, clairement, pour nous, ça a été de pouvoir définit déjà des solutions totalement locales avec les communautés, avec l'appui des partenaires techniques, définit donc des solutions locales basées sur du matériel local, des compétences locales, puisque ce sont les locaux qui font également le suivi de tout ce qui est mis en place. Il y a un transfert de compétences qui a été effectué pour permettre que tout cela soit vraiment approprié par les communautés locales. Et ça a été un défi assez bien relevé pour nous. L'autre défi que nous avons, c'est celui des ressources financières pour continuer à faire le suivi de ces solutions-là qui sont mises en place. Et par rapport à ça, nous jouons beaucoup sur le développement de synergies avec d'autres projets pour pouvoir continuer à faire le suivi et réunir des informations pertinentes pour une mise à l'échelle de ces solutions. Voilà, merci. Thank you so much, Lilian. Merci beaucoup, Lilian, d'avoir partagé cette histoire extraordinaire et de la réussite de ce projet sur le terrain avec les solutions basées sur la nature. C'est extraordinaire de voir comment les choses, les maraîchers reprennent et de voir l'implication de la communauté également dans ce projet. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lilian, avant de partir, est-ce que vous pourriez nous répondre à une autre question ou partager peut-être avec nous quels sont les domaines clés de réussite dans le développement de projets durables axés sur les solutions basées sur la nature. Si vous pouviez répondre sur cette question, cette dernière question d'après vous, quelles sont les clés du succès dans le développement des projets de solutions basées sur la nature? Merci. Par rapport à l'expérience que nous avons eue sur ce site-là précisément,
il est ressorti clairement que l'une des principales clés pour arriver à implémenter avec succès ce genre de solution, c'est l'implication et une participation vraiment active des communautés locales. Cela est vraiment très important. Il faut qu'elles s'approprient déjà tout ce qui est fait et qu'elles comprennent en quoi est-ce que cela répond à des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Et c'est en cela que le standard vient à propos en parlant dans son premier critère vraiment de répondre à un défi sociétal. Il faut absolument que les communautés comprennent et soient conscientes que la solution qui est apportée répond à un défi donné et qui les concerne directement. Avec ça, on a beaucoup de chances que la solution réussisse. Et l'autre clé qui est intimement liée, c'est d'arriver aussi à avoir un compromis. Et cela est lié au critère 6 du standard aussi, qui insiste sur le besoin d'avoir un compromis entre la conservation et le bien-être socio-économique des communautés. Voilà. Et ce sont deux clés sur ce site-là de l'AMP de Saint-Louis sur lesquelles on a joué et qui ont permis vraiment d'avoir un bon rendu. Parce que vous voyez des communautés locales qui sont installées dans une aire protégée qui est en cours de restauration, qui mènent leurs activités, qui continuent à mener leurs activités économiques, profitent de ce que la restauration s'effectue et en même temps ils participent, ils contribuent, ils participent au reboisement, à la mise en place des palissades et ça c'est franchement quelque chose de très intéressant. Voilà. Merci beaucoup, c'est tellement bien de voir comment toutes ces choses ont travaillé ensemble, comment aussi Climate Change a joué un rôle dans cette solution basée sur la nature. D'autres organismes aussi ont été associés. Merci beaucoup. Nous allons demander à la ville de Cape Town, monsieur ou madame Bulgani, si vous voulez bien allumer votre caméra. Merci, ok. Alors, je voudrais vous poser la première question et puis après, nous passerons à la seconde. Ce que nous voulions vous poser, c'est quels sont les besoins pour la planification et la création de ces solutions. Merci beaucoup, Kate, d'avoir posé la question. Merci pour cette présentation. Mon nom est Bongani Nissi. Je suis à Cape Town, en Afrique du Sud, et je vais essayer de passer en revue les exemples que nous avons réalisés en utilisant ces solutions basées sur la nature. Et oui, je pense que je vais passer en revue la présentation et puis je vous parlerai des exemples que nous avons déjà réalisé à Cape Town. Alors, nous allons parler du contexte, des solutions elles-mêmes, du programme d'infrastructure vert et également de l'utilisation de cartographie et la programmation de la biodiversité critique sous la législation nationale pour la protection de la nature et exactement mettre en lumière certains des projets qui ont été mis en œuvre et sur ce que nous avons appris dans le temps. Alors, ce qui a été souligné un peu plus tôt dans la définition par l'UICN des solutions basées sur la nature, eh bien, j'ai un intérêt particulier sur le fait que ça parle de protection, gestion durable des ressources, restauration également de l'écosystème naturel ou modifié. Et je pense qu'il est très important de dire aussi qu'il faut se concentrer sur les défis, les enjeux sociétaux
le bien-être humain, comme les bénéfices de la biodiversité. Et c'est ce qui est formidable avec ces solutions basées sur la nature. Et ce que nous voyons à travers ces exemples, c'est que l'accroissement de la résilience de ces ressources particulières en utilisant ces solutions basées sur la nature, vous pouvez lier tous les paysages et puis vous pouvez, il y a une meilleure connectivité entre les paysages. Et donc, vous pouvez utiliser des espèces de végétation que l'on trouve plutôt que des exemples concrets de contrôle de l'érosion des sols ou la réduction du manque d'eau, etc. Donc, la ville a utilisé un élément particulier, la cartographie, afin de protéger son infrastructure verte, qui souligne la durabilité. Et ce que nous faisons en ville, c'est d'essayer de donner des boîtes à outils pour permettre, par exemple, on veut donner l'occasion de planter des arbres dans les zones où c'est nécessaire. Et il faut voir également comment faire cela. Donc, il y a la proclamation de la biodiversité critique sous la législation nationale. La ville de Cape Town a des réserves naturelles et il y a plus de 500 000 hectares de terre qui a été proclamée comme étant verte. Donc, c'est ce que vous voyez en vert sur la carte. À droite, cela représente les réserves naturelles de la ville de Cape Town. Nous avons un parc national également qui fait partie des infrastructures vertes, qui vous montre vraiment, met en lumière la beauté de la ville, comme proclamé par l'UICN. Nous ne pouvons pas faire cela seul, puisqu'il y a bien sûr des propriétaires privés qui possèdent la terre, et il est mieux d'engager ces propriétaires terriens, de les faire adopter les projets, de les encourager à protéger la nature. Et jusqu'à présent, depuis le début, nous avons protégé plus de 2262 hectares. C'est-à-dire que les terres peuvent être transférées, mais nous savons que cette terre sera préservée, gardée, intacte, sera protégée. Et donc, la ville de Cape Town utilise également ce qu'on appelle la banque des terres pour pouvoir faciliter les développements dans certains centres où l'on trouve la biodiversité dans des zones développées et pour encourager le développement là-bas et encourager le fait d'acheter des terres sur les bordures du territoire urbain, en bordure, l'achat de terres afin d'encourager le développement à la fois. Il y a également l'utilisation de ces natures basées sur la solution pour lorsqu'on nettoie les espèces invasives, lorsqu'on les retire. On investit beaucoup d'argent là-dedans pour nettoyer certaines zones et pour accroître l'approvisionnement en eau. C'est une des villes où il y a une grande diversité et il y a une perte en eau nette. Donc, nous sommes un pays où l'eau est rare. Déjà, c'est une ressource de très grande valeur. Et donc, la préservation de la nature permet de créer ce que nous appelons le Greater Cape Town Water Fund. Donc, le fonds pour l'eau de la plus grande de la Cape Town. Donc, plus de 55 milliards de litres d'eau ont été apportés dans les barrages de Cape Town et jusqu'à maintenant, nous avons déjà nettoyé 54 300 hectares. Nous ne pouvons pas vivre sans la gestion de ces terres. Toutes les activités peuvent affecter le fonctionnement des villes. Et vous voyez ici l'utilisation d'un bulldozer. On peut se demander pourquoi, que faisait la ville ici? Imaginez une terre en situation critique au niveau de la biodiversité où
un développement devait avoir lieu. Et ce que nous avons fait ici, nous avons enlevé la couche supérieure de la Terre, nous l'avons transportée ailleurs et nous l'avons déversée sur une zone dégradée afin qu'elle puisse se développer. Donc on voit là où vous voyez ce qui a poussé. Il y a des graines qui ont été plantées également. Vous voyez les véhicules à l'arrière-plan. Donc, nous agissons là-bas et il est très important de savoir que lorsqu'on utilise des solutions basées sur la nature, vous créez des emplois et vous créez de nouvelles connaissances. Donc, il y a le programme pour les connaissances pour développer cela. Et alors, il faut également des voies navigables. Il faut s'assurer qu'au lieu de créer des panneaux en béton, eh bien, on crée des zones humides qu'on peut humidifier. Et donc, vous avez ainsi des terres plus vertes, bien plus d'espace, afin que la nature se développe et qu'elle soit, y soit protégée. Cela améliore la connectivité et la coordination des ressources. Et voici juste un autre exemple. À Sandley, si je peux juste vous montrer cela. Alors ça, c'est là où l'eau est déversée dans l'océan, la sortie. Donc, et on voit la montagne sur le côté, on voit comment l'eau se déverse vers l'océan. Ce qui est important ici et très significatif, c'est que si on ne gère pas la production à la source, eh bien, on n'aurait pas ce plan d'eau aussi beau. Il y a, alors, on se concentre également sur l'infrastructure qui peut être endommagée. Alors, on a ce type de problème-là sur cette photo lorsqu'on veut ramener la nature pour la restauration des espèces. Eh bien, il faut utiliser des matériaux biodégradables et on peut voir que les dunes sont stabilisées et la zone peut se restaurer. Donc, quelle meilleure manière de créer des compétences, des emplois et de reconnaître que les personnes qui travaillent dans ces lieux, de les reconnaître parce qu'ils n'ont besoin que d'un certificat parfois. Merci infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, Bongani Nisi. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces zones naturelles dans la ville. Et je vois que la ville fait énormément pour généraliser et que la nature soit intégrée dans toutes les créations, toutes les constructions. Et on sait bien sûr que l'eau est très importante et qu'il faut améliorer sa présence, sécuriser les sources d'eau. J'ai une question supplémentaire pour vous. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres entreprises internationales pour apprendre davantage sur le travail avec les solutions basées sur la nature? Oui, merci infiniment pour cette question. Alors, vous savez, nous travaillons tout à bord. Alors, nous faisons partie d'un réseau avec différentes villes dans le monde qui ont besoin de partager des exemples divers et variés. Et nous faisons également partie des réseaux de résilience et notre implication. Nous avons réussi à améliorer les stratégies de résilience. Ce qui doit être mentionné aussi, c'est notre partenariat avec Athènes, la ville d'Athènes. Et là, nos maires respectifs ont un portefeuille où ils peuvent partager des exemples. Il y en a l'un d'eux que j'ai mentionné précédemment, le projet de la rivière Corridor, et ensuite comment avoir plus de verdure à Athènes. Donc, il y a différents exemples que nous partageons entre villes.
Et bien sûr, Climate Change et son groupe de leadership aident à cela, ainsi que le réseau. Donc, c'est ainsi que nous essayons d'effectuer un travail pertinent, de partager les expériences avec les autres villes. Et je dois confirmer, Kate, qu'il n'y a pas de ville qui peut vivre sur une île. Si vous vivez sur une île, vous arrêtez d'apprendre. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment continuer à se lier à d'autres villes, échanger, partager. Et voilà, ça, c'est une des meilleures choses qui existe sur la planète. Merci beaucoup. Oui, c'est formidable que vous ayez ces opportunités à partager avec d'autres villes et je pense qu'il était important que la nature, de voir que la nature joue un rôle si important dans les opportunités que vous pouvez partager, vous pouvez apprendre des uns des autres. Merci infiniment. Nous allons maintenant donner la parole à la personne de Kokadi. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ma question qui à vous, ma première question est, quelle est votre expérience à Kokadi pour l'intégration des solutions basées sur la nature dans la politique sur place? Fernand, c'est à vous. Vous m'entendez? On m'entend? Oui, on vous entend. Ah, okay. Thank you. Okay. Bonsoir à tous. Merci pour ce temps d'échange d'expérience. Je suis Fernand Yapi, ingénieur en éthique économique et développement durable et point focal de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne pour le compte de Kokadi. Il faut dire déjà que la commune de Kokadi est membre partenaire de Cities with Nature, la cité avec la nature. Et aussi, nous avons participé au processus d'Edinburgh pour les gouvernements infranationaux et locaux sur l'élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Et nous sommes signataires même de ce cadre au niveau de la Convention de la biodiversité. Et depuis longtemps, la ville, pour ceux qui connaissent bien la commune de Kokadi, c'est une commune plus ou moins résidentielle, où à un moment, pour des questions d'urbanisation, les constructions de grandes maisons et autres ont pris le dessus sur tout ce qui était espace vert, tout ce qui était environnement et biodiversité. Et le nouveau maire, le maire Yassé, qui est arrivé en 2018 pour un mandat de 5 ans, a décidé de faire de l'environnement vraiment l'une de ses priorités. Et déjà, pour ceux qui vivent actuellement à Abidjan, qui viennent à Kokadi, vont remarquer que tous les espaces verts qui existaient auparavant ont été réhabilités dans leur ensemble. Pareil aussi pour les espaces de loisirs. Parce qu'il faut dire qu'arrivé un moment, la population avait du mal à se retrouver pour se récréer, pour passer du temps en famille. Et tous les espaces verts, un moment, avaient disparu pour des questions d'urbanisation et autres. Et tous les espaces aujourd'hui ont été réhabilités. Et donc, vous avez des gens qui arrivent à se promener, à passer du temps en famille et qui profitent un peu de toutes les plantes, ces arbres qui font partie de tout ce qui est décor paysager. Voilà. Donc, il y a eu la réhabilitation de tous ces espaces verts-là. Et en même temps aussi, pour ceux qui connaissent bien l'université de Kokadi, vous avez au sein de l'université de Kokadi une forêt vierge assez immense qui, depuis longtemps, est utilisée par les professeurs, est utilisée pour des expériences et autres. Cette même forêt-là qui est un peu le poumon de Kokadi, parce qui absorbe beaucoup, qui piège beaucoup les gaz à effet de serre. Donc, la commune de Kokadi participe à l'entretien de cette forêt vierge-là. Je n'ai pas une idée un peu de la superficie, mais elle est assez vaste. Et la commune de Kokadi contribue à l'entretien de cette forêt-là qui
qui regorge beaucoup d'écosystèmes et en termes de biodiversité, plein de plantes qui sont utilisées, même dans le cas de la pandémie de la COVID, il y a eu des gels mains qui ont été préparés à base de certaines plantes trouvées sur cette forêt-là, dans cette forêt-là, voilà. Et au-delà de ça, il faut dire aussi que pour continuer à protéger cet environnement, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est environnement, espace vert important pour la biodiversité, la commune de Cocody a mis en place une brigade chargée de la protection de l'environnement, de tout ce qui est espace vert et loisirs. Voilà. Et au-delà de ça, pour ceux qui connaissent aussi encore bien la commune de Cocody, c'est une ville qui possède des villages qui vivent au bord de la lagune Ébrier. Nous avons un littoral de plus de 30 kilomètres. Et la majorité de ce qui fait un peu le point commun de ces villages en termes d'activité, c'est que le peuple villageois fabrique ce qu'on appelle la tiquet, qui est un mets de genoux et qui est fait de semoule de maïs. De semoule de manioc qui est très 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 polluant. Vous avez les épluchures de, parce que c'est la manioc qui est utilisée, les épluchures de manioc qui sont des déchets solides qui sont versés dans la lagune. Vous avez l'amidon qui est tiré pour permettre la fabrication de ce mets là qui est reversé aussi dans la lagune, mais souvent qui est versé pratiquement là où les femmes là travaillent et qui est très, 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 très nuisible et malodorant. Et aujourd'hui, la commune de Cocody, à travers le groupe de travail de la convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, accompagne ces populations-là dans l'amélioration et la fabrication de ce produit-là qui est la teke, de sorte que ces produits-là, la fabrication de la teke ne nuisent pas à l'environnement. Et aujourd'hui, il y a un processus qui est mis en place pour l'utilisation des foyers améliorés, pour l'utilisation de l'amidon et des épluchures de manioc pour en faire de biogaz. Et aussi, le nettoyage des bords lagunaires et comment faire en sorte de noyer des bonnes lagunaires et une sensibilisation concernant l'importance de la biodiversité des écosystèmes de l'environnement afin d'amener la population à préserver ces bonnes lagunaires là, parce qu'à un moment tout ce qui était les forêts de mangrove ont pratiquement disparu. Il y avait des difficultés pour ces personnes là de pouvoir avoir du poisson. Et lorsqu'on leur fait comprendre que c'est à cause de tout ce qui est versé dans la lagune là que ces mangroves là ont commencé à disparaître et qui agit conséquemment sur la quantité de poissons dans la lagune, et nous avons commencé à leur montrer comment nettoyer cette voie lagunaire et comment faire en sorte de pouvoir amener les poissons réhabilitant, c'est en plantant des plants de mangroves et en essayant de retrouver la population de ces mangroves-là. Voilà. Et au-delà de ça, la commune de Cocody, avec le groupe Nestlé, dans le mois de mars, a participé au nettoyage de ces bords lagunaires-là. Et avec les jeunes même de ces villages-là, avec au préalable des séances de sensibilisation, d'information sur l'importance de la protection de l'environnement, sur l'importance de pouvoir utiliser ce que la nature nous apporte. Et ces mêmes jeunes-là, ce sont ces mêmes jeunes qui ont été acteurs avec le groupe Nestlé, la mairie de Cocody, acteurs au nettoyage de ces différents baies lagunaires, la protection des plages et comment mettre en place des activités bleues. Voilà. Donc, la commune de Cocody avait compris qu'il était bon
de protéger l'environnement et de mener des activités qui protègent les écosystèmes et qui permettent d'utiliser la nature pour le bien-être de la population dans son ensemble. Voilà. Donc, voilà ce que je peux citer un peu en termes d'action ou de politique que la mairie de Cocody mène actuellement, qui est en faveur de l'action, de l'adaptation, de l'utilisation de la biodiversité pour l'amélioration, l'utilisation de la nature, pour l'amélioration des écosystèmes de la biodiversité. Voilà un peu ce que j'avais. Désolé si je n'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint. C'est dû un peu avec au planning dont on peut charger et de nos activités en Abidjan. Voilà un peu. No problem at all. Actually, it's sometimes pas de problème. Nice. C'était formidable. C'était très bien parfois de ne pas avoir de PowerPoint et de vous voir, juste vous. Voilà. Donc, je crois que c'est bien de voir que la nature réintègre votre ville et de voir ces espaces verts et l'importance qu'elle représente pour les besoins de la société. Donc, je crois que c'est formidable de voir tout cela. Fernand, est-ce que vous pourriez nous dire également ou indiquer quels sont les partenaires avec lesquels vous avez travaillé pour vous assurer que la communauté s'implique pour incorporer ces solutions basées sur la nature dans votre ville? Ok. Déjà, concernant les différentes communautés dans le village, nous avons mis en place des comités. Des comités qui sont regroupés par les différents acteurs socio-économiques des villages. Donc, vous avez les femmes actives, le collectif des sages, vous avez les différentes chefferies, le chef et ses notables, les jeunes, les différents syndicats, la plupart des fonctionnaires qui travaillent dans ces villages, principalement dans les écoles, voilà, les maîtres, les instituteurs et autres. Il faut dire au-delà de ça que la banque, le groupe de la Banque africaine de développement nous accompagne, la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne également, et je dirais aussi les cités unies, les cités, ouais, je dirais, c'est le CGU Afrique, voilà, dans lequel Cocody est partenaire. Voilà. Donc, déjà, il faut comprendre que tous les acteurs socio-économiques au niveau des villages participent, parce que le grand souci, déjà, il faut reconnaître que nos communautés à la base des villages ont cette importance de la nature. Ils ont des connaissances ancestrales qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc, c'est ce qu'on appelle le collectif des sages qui font partie de ce comité-là. Et ces personnes-là nous aident à sensibiliser les jeunes sur l'importance de protéger ces écosystèmes et l'environnement qui aujourd'hui, pour eux, n'est pas... Ils ne perçoivent pas présentement l'importance de la nature. Donc, au-delà de ça, ce collectif des sages-là vient en appui à cette sensibilisation. Il faut reconnaître que la sensibilisation est vraiment primordiale et pour que la sensibilisation puisse toucher tous les acteurs qui interviennent au niveau des activités villageoises font partie de ce comité-là. Et au-delà de ça, nous avons des partenaires comme le groupe de la Banque africaine de développement, la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne, la mairie elle-même, qui nous accompagne pour les questions de financement pour les activités. Voilà un peu. Thank you so much for sharing that. And I think merci beaucoup. Je crois qu'il est formidable que vous ayez parlé de l'importance des savoirs autochtones. Et vous avez parlé de
de l'intégration de ces savoirs dans notre planification. Je crois que c'est essentiel. Exactement. On voit l'importance de cela et le rôle qu'il joue dans nos plans et nos stratégies. Donc, merci infiniment. Maintenant, nous allons ouvrir la parole aux questions. Et comme je l'ai dit précédemment, tout le monde peut allumer son micro, sa caméra. Donc, je vous invite maintenant à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser à n'importe lequel des orateurs. Ou si vous ne souhaitez pas allumer la caméra, n'hésitez pas à poser la question dans le chat ou dans la petite boîte Q&A qui doit apparaître sur votre écran. Donc, n'hésitez pas si vous ne souhaitez pas prendre la parole directement ou allumer la caméra. I see your camera on. Would you like to pose a question? Je crois que quelqu'un a allumé sa caméra. Dossé, si vous voulez poser une question. Oui, merci. Bonjour. Je suis très comblé des présentations sur solutions basées sur la nature. C'est l'une des meilleures solutions, à condition que tout le monde, la population, prenne conscience qu'elle a un rôle à jouer dans la restauration de la biodiversité, dont les conséquences et les avantages sont sans mesure, comme une mesure avec autre solution. Je salue les différentes interventions et intervenants. Je voudrais avoir des conseils pour s'engager dans ce processus et avoir des échanges avec les villes qui ont déjà expérimenté des expériences. Une question a été posée qui n'a pas été entièrement répondue. Il était question de savoir dans quel domaine, différents domaines qui peuvent accueillir les solutions basées sur la nature. La réponse à ça aussi est intéressante. La commune de Golfe 1, Lomé, Togo, abrite un certain nombre de sièges, de sites naturels, les lacs, forêts sacrées, et peuvent donc expérimenter ces pratiques. Et la population, elle est autochtone. C'est la population par laquelle Lomé est créée. Donc, ils ont des pratiques parfois naturelles qu'on peut donc valoriser. Je souhaite donc des conseils pour qu'on puisse, des échanges d'expérience pour qu'on puisse de rien commencer ce processus. Voilà ma préoccupation. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions dans la question. Je vais peut-être donner la parole à plusieurs des intervenants pour qu'ils y répondent. On va peut-être commencer d'abord avec Stéphania. Comment elle peut partager peut-être ses expériences? Comment est-ce qu'on pourrait donc partager ses retours d'expérience? Merci. C'est une question intéressante. Certains orateurs ont souligné la valeur de ces pratiques et de l'importance de partager les pratiques, d'échanger et d'avoir ensemble des pratiques communes. C'est un point essentiel. C'est la raison pour laquelle les villes avec la nature a été établie en tant qu'organisation. Nous avons toute une histoire. Ça a commencé au cours des Nations Unies par des actions locales, des programmes d'action locale. Et depuis, ce projet
qui a eu beaucoup de succès à l'origine. Il a été demandé aux demandes des villes que notre organisation, les villes avec la nature, a été établie. Donc les chercheurs, les parties prenantes, les acteurs doivent trouver ensuite ce lien, cette plateforme par laquelle ils peuvent partager leurs bonnes pratiques. Avant le COVID-19, il y avait cet espace pour parler, pour échanger. Il y a peut-être des expériences différentes entre Paris ou Nantes, par exemple, en France. Mais les bonnes pratiques que Paris ou Barcelone développent peuvent être utiles, bien sûr, pour de plus petites villes qui sont dans des régions plus régionales. C'est une valeur importante pour Barcelone, que Barcelone puisse mettre en lien avec Maputo en Afrique. Il y a peut-être des procédés différents, mais l'ensemble et le but global, l'objectif est bien sûr le même, la mission est la même. Donc, je voulais dire que c'est vraiment par l'échange, par le partage, qu'il y a une valeur ajoutée et qu'on peut améliorer ces procédés. J'espère que ça a répondu à la question. Merci, Stéphania. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Et on pourrait mettre d'ailleurs l'adresse de Ville avec la Nature dans le chat pour que les gens puissent simplement aller consulter le site et suivre d'autres projets. Je crois qu'une autre question qui est sortie de cette discussion, quels autres secteurs peuvent adopter des solutions basées sur la nature? Je pense qu'il y a peut-être deux personnes qui pourraient répondre à cette question. Véronica, peut-être? Quels sont les autres domaines, les autres secteurs? Et également, Bongani, dans votre rôle avec les autres secteurs, Bongani, peut-être vous pouvez nous partager ces autres secteurs. Véronica, est-ce que vous aimeriez peut-être répondre à cette question? Et puis ensuite, je passe la parole à Bongani. Bien sûr. Pour ce qui est des villes, les solutions basées sur la nature, je pourrais parler au niveau européen. Nous avons beaucoup progressé dans ce sens. Nous voulons penser comment, ici on parle des villes, mais nous voulons vraiment inclure tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Nous voulons aussi inclure les acteurs locaux. Quels sont leurs besoins? Identifier leurs besoins. Quelles sont les choses dont ils auront besoin? Alors, pour ce qui est des solutions basées sur la nature, nous pourrons dire ici qu'à une échelle très basse, peut-être une petite échelle, par exemple un quartier, mais aussi une échelle plus large comme au niveau régional, c'est d'avoir des stratégies à long terme dans des cas d'études en dehors de la région. Comment ces solutions ont été incluses dans les politiques nationales pour apporter des solutions, même pour bâtir les routes, développer les transports, les routes, ça peut être aussi un lieu, un domaine dans lequel on peut implanter des solutions basées sur la nature, même dans la construction des routes. Je pense que ça peut s'appliquer dans beaucoup de pays, notamment concernant les NDC, les CDN, les contributions déterminées au niveau national, au niveau local aussi. Bongani, vous pourriez peut-être nous dire comment vous avez travaillé avec d'autres départements, d'autres secteurs pour la mise en place de solutions basées sur la nature. Peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots. Merci, oui, absolument.
Je voulais simplement dire que les solutions basées sur la nature peuvent être utilisées dans d'autres domaines, dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. On ne veut pas le limiter. À Cape Town, on a travaillé avec le département des routes, par exemple. Dans ces solutions basées sur la nature, il faut vraiment voir la définition. C'est éviter d'avoir trop de matériaux pour éviter de jeter trop de matériaux, mais c'est réutiliser des matériaux basés sur la nature. Par exemple, quand vous défaites des routes, vous déconstruisez des routes, vous êtes avec la nature, c'est-à-dire vous ne jetez pas le goudron, mais vous trouvez des manières de recycler. C'est comme ça qu'il faut aborder la chose pour réfléchir autrement, de manière plus large, peut-être réutiliser des blocs, des briques que les gens utilisent au lieu d'avoir des canaux ou des rivières. Vous pourriez avoir des sites qui permettent la rétention d'eau. Donc, vous permettez en fait la nature de pouvoir se développer librement et vous l'incluez dans vos études d'ingénierie. Ce que j'ai découvert par ailleurs, c'est que les solutions basées sur la nature prennent du temps et demandent beaucoup de patience. Et souvent, on les ignore jusqu'à ce qu'il soit trop tard et les gens pensent que ça ne marche pas. Mais ce que moi, j'aime bien dans ces solutions, et j'aimerais ici encourager tout le monde, c'est que dans ce processus, même s'il prend du temps, une fois que cette solution est établie, eh bien, les bénéfices sont à long terme. Vous êtes aussi en mesure d'amener une autre connectivité dans cet espace que vous avez créé. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Bongani. Oui, c'est un point important que vous avez soulevé. Souvent, on a utilisé l'ingénierie, mais à long terme, la nature peut bien sûr apporter beaucoup de solutions dans la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup. Nous avons encore une dernière question qu'on va poser à Liliane Agbosa et j'espère que vous pourrez y répondre. Avez-vous vu une communauté initier ses propres actions qui n'étaient peut-être pas à la base dans vos projets, mais des communautés qui ont proposé des initiatives ou des communautés qui ont même pris en charge leurs propres projets, notamment en Afrique de l'Ouest, des communautés qui ont initié leurs propres activités, leurs propres actions, des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Liliane, pourriez répondre? Merci. Oui, en effet, on se rend compte hein, que les populations ont beaucoup d'ingéniosité. Quand il s'agit notamment de risques côtiers où ils doivent faire face à l'agression de la mer constamment, elles développent des stratégies locales pour pouvoir s'en sortir. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes et nous, on essaye de les accompagner. Et dans, sur l'un de nos sites, par exemple, un petit village insulaire au Sénégal, il y a des communautés qui essayent de mettre en place, par exemple, des ouvrages, mais avec des matériaux locaux et qui le font totalement en dehors de ce que nous avions prévu ensemble avec eux dans le cadre du projet. Parce que le projet prévoyait la mise en place des lits, mais construits avec des pieux, des troncs d'arbres morts. Et il y avait cette étude-là de faisabilité qui était encore en cours pour voir les paramètres géomorphologiques de la région et les conditions de houle et tout ça, pour pouvoir définir comment est-ce que l'ouvrage pourra être mis en place. Mais en attendant d'en arriver là, les communautés, elles vivent la chose au quotidien et veulent des solutions tout de suite.
Donc, elles se sont engagées, par exemple, dans ce type d'ouvrage-là, qui sont temporaires et qu'on va pouvoir détruire ensuite pour mettre d'autres plus élaborés en place après. Donc, voilà. C'est dit que les communautés sont actives et cherchent aussi les solutions. Merci beaucoup, Liliane. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter à ce point? Dosset? Non, Fernand? Je pense que Liliane a tout dit. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une journée chargée avec tous les cas présentés de solutions basées sur la nature pour répondre aux besoins de notre société. Encore une fois, après tous ces exemples sur le terrain pour trouver des solutions dans la nature, nous pouvons dire que la nature est notre plus proche allié pour combattre le changement climatique. Et il y a vraiment un besoin de le partager au niveau des villes, au niveau local, pour incorporer les solutions basées sur la nature dans nos plans d'action locaux, dans nos plans d'adaptation, pour veiller à ce que d'autres secteurs, d'autres départements soient au courant également de ces solutions, pour inclure ces solutions dans leurs politiques. Ça a été vraiment des exemples extraordinaires que nous avons entendus cet après-midi, et j'espère que ceux qui ont participé aujourd'hui pourront prendre ces exemples pour les amener dans leur ville, dans leur contexte et les mettre en place. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous cet après-midi, toute cette journée. Merci à tous. Merci à Climate Change pour cette session. Merci d'avoir organisé cette session extraordinaire. Merci aussi, bien sûr, à nos orateurs. Merci d'avoir pris le temps de venir parler, partager avec nous vos expériences. Merci à tous nos participants. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous et ça a été un plaisir. Merci. Au revoir. Thank you. Bye-bye. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.